Salut, comment ça va? Vous allez bien? Le retardataire, je sais, ça y est. Ce soir, tribunal. Je sais que vous m'avez harcelé pour l'avoir ce soir, tribunal. J'ai hâte de voir ça, parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de dingueries. J'avais même pas capté qu'il y avait Baki. Ça va? Il a remplacé la poubelle. À part si la poubelle vous manque, je peux la mettre à la place de Baki. Hein. Peut-être qu'il y a une team poubelle, une team Baki dans le chat, je sais pas. J'ai la poubelle, hein. Non, pardon! Non, voilà la team poubelle, ce que vous m'avez fait. Arrête! Impose-toi là. Est-ce que tout le monde est prêt pour le tribunal des bannis, s'il vous plaît? Ben, j'espère qu'il n'y aura pas des malades mentaux quand même. Je compte sur vous pour être objectif, impartial et très dur. Si vous voulez que ce chat reste sain, si vous voulez que les streams futurs et prochains se passent dans une ambiance joviale et pessimiste, s'il vous plaît, soyez ferme comme je vais l'être. Portugal-Qatar 2022. Alors, quel stream de merde? Putain, ça commence bien. Il perd ses couilles! Il perd ses couilles, Locke! C'est un booter, lui. Il envoie des mails pour escroc des gens. L'épisode a commencé depuis longtemps. Je viens d'arriver. L'épisode a commencé depuis longtemps. Je viens d'arriver. Arrête les pauses toutes les 30 secondes. Oh, t'as craqué ou quoi? Stop les pauses là! Stop les pauses là! Oh putain! Bon, vas-y, lance gros halouf. On dirait ça daronne. Bon, vas-y, lance Big Head et ferme ton cul. Moi, je viens juste pour Big Head. Je t'aime pas, donc lance rapidement. Putain. Au moins, on pourra pas dire que je suis hypocrite. C'est vrai, t'es un mec franc. Voilà. Ça, c'est vrai, on peut pas lui retirer. Monsieur Biscuit Lezin. T'es beau, Amine. Non, ça, t'es beau de fou, Habibi. Fou, espèce de mytho. Ferme ta gueule, arrête de parler, Zabbi. Non, mais c'est trop. Eh, ça, faut en parler, les gens. Ils pensent qu'ils sont sur Canal Plus à la demande, Netflix ou Prime Video, j'en sais rien. Ils viennent, ils pensent qu'ils ont une télécommande et que je dois lancer leur programme à leur guise. Et frérot, dans ce cas-là, va sur YouTube. Qu'est-ce que tu fous sur Twitch? Salut, Amine et les modos. Ça, je sais que c'était il y a pas longtemps, pardon, que je me suis fait ban. Mais, en sartou-sartou-sa, plusieurs conjonctions de coordination, apparemment. Ça me manque de fou de lire le chat. En plus, tu parlais vraiment trop sérieux. Donc, s'il te plaît, Amine, débanne-moi et je m'excuse. La personne tend la main à Amine. Eh, enlève ta main de là, là. Enlève ta main de là, on n'est pas potes, toi et moi. Bouge ta main de là, t'es un ouf, toi. Ouais, ouais, je suis aigri, ouais. Déjà, dans un premier temps, c'est normal que ça te manque de lire le chat. Attends, mais toi, t'es un menteur, toi. Il a écrit à peine 4 messages. 4 messages. Et les deux des 4 messages, c'est des insultes. Ban. Eh, vous êtes strict aujourd'hui. C'est ça que j'aime. Je veux vous voir strict. Et moi, je vous suis. Vous me dites ban, c'est ban. C'est ban. Au revoir. Carugarou. Oh, Louis XI, ferme ta gueule. J'espère, Billy, il va te faire une dinguerie pour se venger bien dans ta mère, bien dans tes jambes. Tu vas tomber KO. Brrr. Oh, c'était il y a un an. Enlève, STP. Mais il n'y a même pas... C'est ferme ta gueule, menace. Il n'y a même pas d'excuse. La justification, c'est c'était il y a un an. Zerma, le ban, il est périmé. C'est quel genre d'audace? Mais c'est un malade. Alors, BRX An LB. Le rat. Péfut par blabla. GG. Non, attends, The Bee. Gros, c'est moi qui ai créé l'émission. Personne finit ensemble à la fin. Ça fait une heure, tu débats, frère. Vas-y, lance. Mets pause, chacal. Ça dit quoi? Tu suces ton daron pour 1 million, Amine? Bah non, je pense pas. Désolé, c'était juste une petite question anodine. Je recommencerai pas, promis, la bise. Ta 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 ta. En fait, c'est le seul truc, il a fait une vanne de merde. Là, il a un peu casse-couille, il dit des mépos, arrête de parler et tout. Il s'excuse. Qui suis-je pour ne pas pardonner? En soi, il m'a pas insulté. The Boss Moreau. Enfin, 3 mois pour se marier. On en avait marre du jeu de survie. Ah ouais, il en avait gros sur la patate. Ouah, le ending de Fou Furieux. Eh, j'ai juré, t'es vraiment un harcelaire, toi. Tu voulais faire quoi avant? T'as une tête de mec qui a une calvatie. Fais attention à toi dans 2 ans. Billy, sa tête, on dirait une bite. Y'a moyen chez lui, il porte des capotes. Dans son crâne, t'as Spider-Man. Inquiétant, dangereux même, Bon, bonjour. Je suis désolé pour le commentaire que j'ai dit plus tôt. On criera sûrement à une sanction sévère. Huez-moi, si vous le souhaitez. Grognez-moi autant que vous pouvez. Ne pas me débannir sera sûrement un choix plus rationnel. Ou me débannir sera un choix insensé. Un seul acte sera décidé. Toi seul auras la réponse. La mine que tu es me voit forcé de m'excuser. Toi et Billy. Non, il a écrit au hasard. Je suis désolé, il a écrit au hasard. Le frérot, il a 14 ans. Ou alors il a 35 ans, j'en sais rien. Je pense qu'il n'y a pas d'entre deux. Ces phrases, ça n'a aucun sens. Grognez-moi autant que vous voulez. Ne pas me débannir sera sûrement un choix plus rationnel. Non, soit ça a du sens. La mine que tu es. Genre, je suis un animal. La mine que tu es. Le chien que tu es. Il a fait un effort, c'est pas si grave. Même si son message, il est inquiétant. Allez, on accepte. Elle, grave petit, on dirait une table base. 24 avril, je crois que je sais de quoi il parle. C'est pas drôle. Salutations Amine, je suis désolé de ce que j'ai dit. Je suis diabétique, débanne-moi. Les gars, il m'a piégé. Je suis vraiment désolé, mais il m'a piégé. Je peux rien y faire, là. Il m'a eu. Bravo à toi. Je peux rien y faire.
Alors, Aminovic 05. On s'en bat les couilles, Pac. Ah ouais, il est arrivé direct. Frérot, je m'excuse, mais tu parlais trop. J'étais impatient. Et les modos qui m'a banni. Ra. Ah, tu t'en as. Mais non, mais pourquoi des insultes en arabe? Bon, frérot, ça marche pas comme ça. Un message, c'est une insulte. Et là, t'insultes les modos. Allez, au revoir. DRR 768. Amin. Bok oglu bok. Salam alaikum. Un viens, je t'encule. Frérot, désolé, j'ai stressé. Non, mais là, c'est pas du stress, là. C'est un gros problème de testostérone. T'es quelqu'un de... Je pense qu'il faut vraiment que t'ailles faire des tests ou des trucs psychologiques. Va voir quelqu'un, consulte. En plus, tu parles turc. Les turcs, c'est les frérots. Tu desserres à ta communauté, là. Par contre, ça veut dire quoi, bok oglu bok? Ça veut dire quoi, bok oglu bok? Non, me forcez pas à aller regarder. Je vais regarder tout de suite. Ah, vous m'avez vachement forcé. Merde, garçon, merde. Hein? Il m'a traité de garçon de merde. Mais comment ça? Ah, garçon dans le sens fils? Fils de merde? Ah non. Mais comment tu peux me dire Amine fils de merde? Après tu me dis salam alaikum. Et après tu me dis 1v1 je t'encule. Ah non. Désolé, j'ai stressé. Ben non. À cause du tribunal des bannis, les deux seules phrases que je connais en turc maintenant c'est ananasikim et bok oglu bok. On va jamais avancer là. Allez, rejeter. Aloïse FRB. Je t'aime Amine. Nique ta mère. Il y a littéralement 4 minutes entre ces deux messages. Expliquez-moi, il se passe quoi dans ces 4 minutes? Qu'est-ce qui peut se passer entre les 4 minutes des deux messages pour qu'il en vienne à là? C'est ces deux extrêmes. Aidez-moi dans le chat, j'aimerais comprendre. Soit il est bipolaire, après je sais pas si c'est le terme. Peut-être que, je sais pas, à peine ce petit lapsus de 4 minutes, je sais pas, sa meuf l'a lâché, il a eu une mauvaise nouvelle, il s'est défoulé sur moi. Dans ce cas-là, je peux comprendre, je peux comprendre. Je charge de punching ball pour tes problèmes perso. Peut-être qu'un move, un truc que j'ai fait en live, t'a pas plu, mais je voulais voir si ça marchait, si tu veux. Débanne-moi et je te fais un poème. Ah non, ça marche pas comme ça, fallait faire ton poème ici. Pour que je vois si tu mérites d'être déban. Ah non, tu referas ta demande. Ah non, 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 non. T'es pas en position de force. AMN, contrôle 9-4. Tribunal, ça fait 3 minutes. Tribunal, 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 tribunal. Fais un tribunal. Vanta Noir, mange ta sœur. Et voilà, ça insulte les modos. Après, je dis pas que Vanta Noir ne mérite pas. Même si, bon, voilà, mais le manque de respect, pourquoi sa sœur, elle a rien demandé. Salam alaikum. Tout d'abord, je suis désolé des injures que mon cousin a pu dire. Oh, les gars, le chat, s'il vous plaît. Excuse du cousin, mon petit frère. Ma daronne, elle est tombée sur mon clavier, elle a écrit à ma place. Oh. Sur le chat, j'en suis conscient et je suis sidéré par ceci. Échec. Amine, débanne-moi, je te promets que ça n'arrivera plus. Par contre, si je suis pas déban, Vanta Noir, mange tes morts. Darly 36, quelle heure garde à vous? Branle-toi, ça vide l'esprit. Bon, après, t'es pas obligé de me dire ça dans le chat, même si t'as pas complètement tort. Tu lis un manga, maintenant la saison 2. Monte ton micro, ta gueule et lance. Pourquoi? Je regrette. En fait, le seul truc qui peut me faire faire des bans, c'est que c'est un ancien quand même. C'est un ancien, ça fait longtemps qu'il venait dans le chat, même s'il venait très peu. Mais après, le ta gueule et lance, ban. Non, c'est vrai, vous avez raison, peut-être faut être intransigeant, pas de pitié ici. Il a juste mis je regrette, c'est vrai. Il n'y a pas d'effort, je suis d'accord avec vous. Simon MRTNT. T'as vu la daube? Yo, oui, il va jouer à l'autre jeu. Merci Léès. Tu ressembles à mon frère Ethan. Tu ressembles au chien de Modo. Bon, à un moment donné, il faut savoir. Soit je ressemble à ton frère, soit je ressemble au chien de Modo, soit je ressemble à... Je sais pas, faut faire un choix à un moment donné. Après, peut-être que le Modo, c'est ton frère. Mais je pense pas. Typiquement parlant, je ne comprends pas la qualité du service de votre modération. Des poursuites seront engagées par l'intermédiaire de mon avocate, qui est la daronne du Modo. J'en ai marre. Là, tu t'aides pas, tu... Là, y'a que des refus, là. Je vous allez jamais vous faire des bannes, vous faites pas d'efforts. Sorry, KS. Eh ben, c'est ta mère. Très bien. Le message est passé. Je ne sais plus les raisons, mais pourquoi j'ai écrit cela. Tout ce que je sais, c'est que je suis désolé. Fais pas ta pute et débanne-moi, bébou. Eh ben, si le prix à payer, c'est que je sois une pute pour que je te laisse ban, eh ben, je suis une grosse pute. Voilà, je te le dis. Alors, TM63, on fait quoi ce soir, mon chaton? Putain, il est trop grin, cet homme. Ils sont Genzu de foot et modo, j'ai insulté, il banne pas, change de moto, c'était... Les modos, c'était ça. Déjà, de 1, t'as insulté nulle part, pour commencer, sauf si tu devais avoir un double compte. Mais le gars, il est venu tester le service modération dans le chat. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, le guide Michelin, là, des modos? On t'a rien demandé, TM63, pourquoi tu viens faire le testeur de modos, là? Eh, ban mérité, ça t'apprendra. Déjà, pour commencer, t'es trop beau, et j'ai insulté pour voir si tes modos étaient réactifs. Et ils ont pris trop de temps à me déban, je te conseille de changer de modo, débanne-moi, s'il te plaît, le plus beau. Eh, les modos, je sais pas si vous êtes là, mais... En vrai, ça part d'une bonne intention. Il voulait vous aider dans la démarche d'améliorer la modération. On peut le déban. Yacine El Rey. La chienté. Ok, Itachi. Wesh, t'en as, ils sont bloqués en 2020. Pause pipi. Wesh, les refs, ça va?
Je suis resté pendant 3 mois dans ma ville. Dwagby. Encore réac, baisse ta mère, c'est bon au bout d'un moment. Ah ouais, baisse ta mère carrément. Bonjour, excuse-moi de cette insulte. Juste, j'étais énervé du fait que, regarde un réact, alors que t'as annoncé du RP. Oui, mais frérot, ce jour-là, il n'y avait pas Kamel. Et j'allais pas RP sans Kamel. À un moment donné, il faut que vous soyez un peu compréhensif. Je sais que des fois, par exemple, je peux annoncer quelque chose avec quelqu'un, mais si la personne n'est pas là, je suis pas magicien. Et dire baisse ta mère juste pour ça, c'est abusé. Il est malade, ce mec. Allez. Le monstre, on dirait le daron d'Amine. Bon. LESN8, iront les baises. Ah non. Je m'excuse envers les lave-vaisselle. Je pense que c'est pas envers les lave-vaisselle que tu dois t'excuser. Y a quand même un problème là, je crois. Là. Alexis RNG, je viens d'arriver, quoi de prévu? La cucaracha, la cucaracha. 11, 2, ouh, Nibar. Aïe, 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 aïe. Bonjour Amine, je te prie de vouloir agréer mes plus plates excuses. Je me suis permis cette remarque parce qu'ils étaient vraiment énormes. Ça grave maigri et ça tec la coupe de cheveux. Non, ça c'est ban. Ça, on va pas s'en sortir les refs. On va pas s'en sortir. C'est bien, t'as fait ta blague, t'as fait barrer des gens, mais non les refs. S9 Toffle, ça va l'enculer elle. Wow, premier commentaire de ma vie, je suis ban à croire que je suis précoce. Non. Oh plus caca. Non, c'est trop, attendez. Oh. Non, les gars, tous ceux qui ont des chats dans le chat, est-ce que c'est normal que mon chat lâche des plus gros caca que moi? Les gars, sa litière, c'est insensé. Il y a des Genki-Dama dans la litière. Et des fois, ça sent partout chez moi, je comprends pas. Non, c'est trop. Oh, premier commentaire de ma vie, je suis ban à croire que je suis précoce. Bon, la vanne, elle est pas mal, elle passe. Je pense qu'on est d'accord. Mais premier commentaire, c'est ça. Bon, voilà, c'est pas fou, quoi. Y a pas d'excuse. Ni oui, ni non. Aïe, bon courage Amine. Amine, je t'aime, c'est incroyable. Amine, on est content de te voir. Je repense à ma vie d'avant. Amine est en pyjama. Amine, t'es un illuminati. Amine, t'es beau ça. En Thaïlande, tu bouffes des chibres. Ok, bah, si t'as une source, déjà, je veux bien, mais je sais pas, tu dis ça d'où. Amine, les modos, mes amis, les Thaïlandais, je m'excuse profondément pour cet affront. Promis, désormais, je ferai attention. On fait quoi là ? Compte créé le 25 novembre. C'est vrai que ça vient d'être créé. En fait, dans ce tribunal, il y a beaucoup de comptes qui venaient d'être créés. Est-ce que c'est juste des nouveaux qui sont arrivés sur Twitch, vous pensez? Ou est-ce que, pardon, c'est juste des gens qui pour foutre la merde, ont fait un deuxième compte? Des bannes. Vas-y, je crois qu'on va des bannes. Hein. Non, non, il vient de créer le compte, les gars, je vous jure, il vient de créer le compte juste pour ça. Il vient de créer le compte juste pour ça. Oh wesh. Oh quoi, les gars. Attends, mais assis-toi, frérot, assis-toi. Ça va quoi, frérot? Tu vas bien? Wesh. C'est comme un lundi demi. Ça va, mon ref, tu vas bien tranquillement? Oh, les gars! Wesh. Les gars! C'est comme moi, la bonne nuit. Y'a le même gars, donc, à la maison. Chez moi, c'est vraiment un boulot. C'est une dinguerie. T'es venu là. Ça va, elle est bien, ma petite. Non, j'aime bien. Hein. C'est vrai? Là, je m'inspire là. Parce que je vais faire moi aussi. Ah, toi aussi, t'as envie de faire un peu du. Bah, ouais, pour de vrai? Bah, ouais. Mais déjà, t'as fait le concert là. Ouais. C'était bien. C'est une dinguerie de ouf, wesh. T'as kiffé, t'as regardé un peu les retours et tout? Sérieux ou quoi? Ah ouais? Même quand je vais pas les voir, je les vois. Attends, je fous le micro. Mais hé, Gazo. C'est comment la population? Pour rigoler, je lui ai dit, viens chez moi, etc. Si tu veux passer, passe dans un stream ou quoi, parce qu'il s'intéresse un peu à Twitch. Mais voici il regarde de loin. Et en plus, t'as fait. Et t'es passé en surprise carrément. Là, je... En fait, vous voyez pas, mais là, il y a tous ces srabs, il y a tous ces potes autour. J'ai l'impression que je vais me faire mêler. Non. Bref, il y a rien. C'est ça que je leur ai dit. Mais toi, je... et vous... Non, mais vous avez réussi à le prouver. Ouais, d'ailleurs, c'est comme mon gars Santa. Don't play. Attends, mais c'est du monde. C'est quoi les signes? Franchement, tu connais le moi, M si je voulais de faire... la gang, ça bouge pas. Il y a les M déjà pour commencer. Attends, parce que moi, il manque une phalange. Ah, moi, comme toi. Oh, on est... Jure? Arrête de mentir. Non, elle a vu ma mère. Incroyable. Ouais, elle a vu ma mère, mais ouf. C'est comment ma blood? Gra. C'est moi. Langage. Langage, bon tir. Eh, attends, mais c'est quoi le signe de gang? S'il te plaît, prends-moi. Le M, la mala gang, obligé. T'es obligé de commencer par celui-là. T'as capté celui-là, c'est pour tous les amps. T'as capté ou pas? Ça y est, ils sont partis, poteau. Tu connais, on est trop haut pour eux. Ce que je veux dire ou pas? Ce que je veux dire ou pas? Ils connaissent déjà. Laisse tomber les gazos. Moi.
Et tu sais quoi, je suis en train de faire un tribunal des bannis, je sais pas si tu sais quoi. Et ça, faut que t'apprennes si tu fais Twitch. C'est quoi? En gros, c'est un truc. T'as vu, il y a des mecs qui mettent des messages dans ton chat. Ouais. Tu avais créé des dingueries, faut les ban. Ah, quand et là, du coup, ils viennent banni, pour s'excuser des messages qu'ils ont mis. Et moi, je dois décider s'ils méritent de revenir ou pas. En fait, j'ai capté. Et là, il y a un mec qui m'a dit, je ressemble à un clodo. Et m'a dit, ça, le clodo qui a la calvitie. Ah, l'enfoiré, en plus, c'est bah, c'est faux. Non, ça, j'ai un peu la calvitie. Ah ouais? En fait, là, je cache un peu un terrain de golf. Ah, l'enfoiré. En plus, comme tu l'as cramé, toi, on ne bannit, toi, jamais, toi. C'est une poucave. Ouais, t'es une poucave. C'est une poucave. T'as capté, c'est un coup, il y avait une meuf, elle était sexy dedans, dans le queutru, t'as niqué le queutru, toi. Eh, voilà. J'allais me marier, t'as niqué mon mariage. T'as niqué le mariage, t'as niqué mon mariage. Allez, banni à live, toi. Ça y est, banni. Alors, baise ma daronne si tu marques. Il m'a dit ça pendant le. Bon, toi, tu vas un peu fort. Il a demandé à ce que je baisse. Tu vas un peu fort, mais on va te débannir. Dis pas ça. Je te comprends, l'émotion, tout ça. On te comprend. On va dire qu'il était submergé par l'émotion. C'est un malade d'avoir dit ça. Il est fou. Moi, je comprends. Je te défends pas, moi. Non, non. Mais. Là, je rentre pas, moi. Moi, je rentre pas. Tu vois ? Mais l'émotion. Tu vois, je pense que c'est l'émotion. Il y a un mec qui est venu, il a aboyé, il a fait waf waf waf. Il a été banni pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur en vrai. Non, voilà, il y a une bavure là, bavure policière là. Là, c'est une bavure là. Là, on a peu. Voilà. On débanne. On voilà, débanne, voilà, débanne, au débanne. Calme, vas-y, tranquille. Heureusement que Gazo, il est là, hein, toi. Ah non, t'es gentil quand même. T'es, quand ouais, même, t'es tu vois ce que je veux dire. Il y a un minimum d'humanité. Va te faire voilà. Enculer. Ah putain, toi, lui va fort. Lui. Je suis extrêmement désolé, Amine, je me suis énervé contre toi car mon mec m'avait trompé avec ma meilleure amie. Ah, j'ai compris. Si je reste banni, sache que tu resteras mon streamer préféré pendant pour toujours. Ah, c'est mignon, hein. Mais c'est. Ouais, c'est une fille. C'est une fille. Tu peux, au calme. Ouais. Si elle était, vas-y. On en fait un dernier, je pense. La grand-mère aux Espagnols sur le terrain. Les autres, on vous voit pas. Alors lui. Non, lui. Je suis mort. Si je laisse ça, je te rappelle en Espagne. En plus, j'ai des bons amis à moi là-bas, moi. T'as qui quand même en Espagne? Bah, des Mourades. Et puis, je compte faire un feat. Oh, putain. Mourad, tu connais. Bah ouais. T'as capté ou pas? Attends, mais là, juste à cause de lui, je dis non. Là, t'as spoilé un feat, là. Ouais, putain de merde. Oh putain, oh my godness, qu'est-ce que j'ai foutu. Eh, le pire, hein, c'est qu'il le sait même pas encore, même lui. Arrête. Ah genre, c'est toi, t'as envie de faire un truc. T'as capté? Moi, des fois, je suis un mec, t'as capté ou pas? Est-ce qu'il y a un autre mec avec qui t'as envie de faire? Est-ce que tu peux spoiler un deuxième? Franchement. Un petit deuxième. Ouais, plus spoil là. Mon gars Zosu, don't play man, hein. Moi non. Non, don't play. Si, vas-y, t'es chaud. On fait un feat. Tu rentres dans le morceau. Je rentre dans le morceau. Je te jure, je suis chaud. Vas-y, arrête de mentir, viens, je te montre. Je te jure pour de vrai. Je te montre le sec. Hop là. Ah, comme ça après. On peut. Hop. Hein? Voilà. Don't play my man. Eh, mais ils sont trop chauds. Non, les gars, ils sont blindés de monde. Incroyable. En fait, personne s'y attendait. T'es arrivé comme dans un animé. Moi, je m'y attendais pas. Regardez, je me suis dit, peut-être tu fais une omelette. Peut-être, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Ah, frère, bah là, tu vois, t'es en mode live. Faites ce que vous voulez chez moi si vous voulez faire à manger. Si vous voulez faire à Il régale. Allez, fais-moi un steak boom en même temps. Non, mais par contre, lui, il ressemble trop à Offset. C'est dinguerie. Hein. Non, c'est vraiment abusé. Tout le monde lui dit ça. Non, c'est trop. C'est trop. Eh, je te jure. Hein. C'est vraiment trop abusé. Non, je te jure. C'est... Non, s'il te plaît, viens, s'il te plaît, montre-leur. Viens. Voilà. Eh, les gars, je vous jure, regardez, il ressemble trop à Offset. C'est abusé. Bitch, I'm a dog, bro. Est-ce que c'est ça? Maman, oui. Bitch, I'm a dog. My little never take off. Yeah, my broke is hard. My sorry, and my broke is hard. I don't speaking. I'm coming back. I don't speaking French. Sorry, my guys. C'est une dinguerie. Ils ont dit c'est off. All bataille, il a dit c'est off face. Eh, ma petite. Nickel, je rentre dans l'écran. J'arrive, hein. Les gens dans le chat, ils sont chauds. Est-ce que vous êtes chauds? Ils balancent une exclue là. Ah, la famille, si je fais ça, je vais faire un disque d'or ici. Il y a 80 000 personnes qui ont parlé, c'est fini. Il y a 80 000 personnes. Ah, la famille, laissez-moi. Non, bombier. T'es obligé, tu dois balancer. Ton bombier. Ah, ils ont fait une stratégie de communication, tu vas la bousiller. Ah, là, ça là, se voit. Là. Oh. Mais il a parlé. Un extrait de 15 secondes. Non. 10 secondes. Non, belle. Non mais là, faut donner à manger là. Là. Hey, la famille. Si vous voyez dedans, ouais, ils vont m'anticiper. C'est trop de, t'as capté? Moi, c'est des idées. En plus, 80 000. Ça va fuiter. Ah, il y a 80 000 personnes. Le temps que je sors. Eh, c'est un peu trop vite, c'est toi. Wesh. Tu fais quoi, ma gueule? Comment ça, tu fais quoi? Mais là, t'es en train de m'embrouiller parce que je l'ai vu. T'es un ouf, toi. J'ai cru tout ça. J'ai tout ça là d'un coup là. Les gars.
Là, c'est un frère mine. À combien tu balances? Bon, hey, moi, je dis pas ça parce qu'ils vont s'en foutre chez toi. Ouais, t'as capté? S'en fout. Voilà, ils vont débouler. T'as capté? Voilà. Ah, mais là, je dirais un truc, ils vont débouler. Voilà. Tu vas dire quoi? Je vais dire un chiffre, ils vont venir, un chiffre. Ah oui, 100%. Ouf, vous m'avez effrayé, vous? Pourquoi? Ben, ça y est, vous m'avez effrayé déjà. Et en vrai, ce que je disais aussi, je vous jure, bon, en dehors de la phalange, même on se ressemble sur la phalange, mais on se ressent même dans le délire où on a pété grave rapidement. Toi, t'as pété quoi il y a deux ans là? C'est vrai. Il y a deux ans. Il y a des similarités à la mort. Et ça arrivait super vite. À la mort. Hein. Mais sauf que toi, t'es pas là depuis deux ans, t'es là depuis longtemps, non? Dans le game un peu. Ouais, je rappe depuis longtemps. Comme toi, on a vu que t'étais sur l'argent depuis longtemps, peut-être. Non, mais je bossais un peu, entre guillemets, dans le milieu depuis un peu longtemps. Voilà, t'as capté. Même moi, je rappais, je faisais mes trucs. Après, bon, mais je m'étais pas investi comme maintenant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et je veux dire la vérité, c'est mieux que ça m'est arrivé maintenant qu'avant. Avant, j'étais vraiment pas prêt. T'étais pas prêt? Tu vois, même l'équipe, le toit autour, tu connais. Le temps de virer des connards, le temps de. T'as capté? J'ai vu, t'es bien entouré. T'as, dans le feu, t'as failli lâcher un son, ça t'a stoppé direct. Ah, mais c'est ça, c'est réel. Hein. Même, tu vois, hein, t'es tout droit, hein, tes mains, t'as trois ordinateurs, t'es là, t'es posé, t'es clair. BG, petite barbe, madame, regardez au barbe mignon, regardez, hein. Mais toutes les femmes elles sont derrière toi, Gazo. Arrête, ouais, don't play, pote. Non, voilà, tu vas marcher à côté de moi, ils vont croire, t'es Cristiano, frère. Non, c'est qui son pote à lui là? C'est qui son pote? Non, arrête, hein, tu vas pas me la faire, toi. Mais on non, les connaît, frère. On les connaît. Mais comment ça? Arrête, on les connaît, arrête. Quand il sort, c'est un humain. BG comme lui, normalement, il fait rien. Ah non, c'est sûr, il casse de ouf, lui. La cassave de ouf, lui. Don't play la mif, don't play. Eh, hey, cassave, ça veut dire manger. Bah, c'est ça. Ça veut dire manger, c'est manger, moi, je mange de fou, les fast food, les burgers. C'est ça, c'est. T'as capté ou pas? Là, alors, Sou, il aime trop cassave. Même qui, ça, lui pas, Sou, mais ouais, je suis pas capté. Bah. Il va me tuer. Il va moi, t'as envie, il a son pétain sur les belles. Quoi? Ah, non. Eh, hey, non. Non, il a, non, il a dit une meuf qui a un gros tarpé. Gros tarpé. Voilà. Non. Ah non. C'est joué en fait. Parlez. Ah ouais, il voulait fumer un gros pétard. Ouais, voilà. Ah, ok, la famille. Belle avec la famille. Ouais, c'est comment mon ref? Non, y'a rien. Don't play family gang, c'est comme mon gang. Mais non, les gars, je vais pas lui faire un test de pureté. Commencez pas. Test de pureté? Non, ça c'est de la folie. C'est quoi ça, test de pureté? C'est un vrai truc, le bail. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. C'est bien, t'es honnête, c'est la vérité, on l'a tous fait, on va pas mentir. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Mens pas. Non. Non. Ça tous dans ton équipe. Ah, je te jure, je suis pas comme ça. Ah, ça c'est eux, tu vois, ça, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui sait que c'est comme ça. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Bah oui. Attends, on l'a tous déjà fait une fois. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Non, mais ça, c'est de la triche. Ouais, ça, on peut pas compter, ça a été comme ça. Il y a des périodes de ma vie, j'étais actif. Ça veut dire que voilà. Ça veut dire que ça, c'est des trucs que tu peux pas compter. Ah, même moi. Même là, y a pas assez. Ah, y a pas assez? Ouais, t'es sérieux, quoi? Mais là, c'est. Tu veux pas? Pêche. Avez-vous déjà goûté à l'alcool, la 8-6, le pinard? Ouais, mais. Voilà. Je bois pas l'alcool, overdose, j'appelle pas le 15. Attention! Putain, t'as fait tomber 1000 euros là. T'as capté? T'as comment fait... tu sais? Tu connais le tarot, toi? Non. Il est branché, hein. Mais avec les refs. Avez-vous déjà été ivre? Bon, allez. Ouais, c'est vrai. Ivre d'amour? Ouais, ivre d'amour, voilà. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? J'ai déjà foncé plus de 48 heures, mais ivre 48 heures? Ah bon, ça, c'est rare. J'aime pas l'alcool, moi. Mais c'est rare, mais ça veut dire que ça a déjà été le cas. C'est possible. En fait, tu t'en souviens plus tellement t'as bu. Dans la période où... En fait, il y a une période où je buvais, mais je bois plus. Ok, bon. Dire que, voilà. Bon, mais oui. Ouais. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non. T'es jamais tombé? Non. Toi, quand t'es bourré, t'es en mode carré, t'es droit. J'ai une défense, en fait. Elle est... C'est pour ça que j'évite la tise, en fait. Trop. En fait, pas. Tu vois, je suis trop sociable. Ah, t'es carrément plus jovial que d'habitude. Voilà, t'as capté. Dans ma défense, je suis trop sociable. Mais là, t'es comment, là? Je suis trop. Là, moi, je suis bien. Là, là. Avec les frérots, je suis toujours ouvert. Non, mais là, t'es y a R, là. Non, ouais, sérieux. Je suis stand-up. Là, okay. Là je suis hein, neutre. Là, je suis bien. Vous êtes-vous déjà pissé dessus comme si? Non, jamais, quand même. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Ouais. La première fois que j'ai bu, ça m'a fait une tinkerie de ouf. Pour ça, j'aime pas l'atisme. T'as arrêté, là? Bah oui, je bois plus depuis longtemps. Un an, peut-être deux, un an et demi. C'est à dire un jour. Un an et demi, deux. Non, un an et demi. Hein. Là, ça... là un plus, an, quoi. Plus rien, là. Ouais, je te jure. Hein. C'est propre. Ouais, deux ans, je crois. Ah, c'est propre. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Moi, j'ai pas eu ce truc, mais j'ai jamais des potes à moi de ouf
à mort. Mais pas toi. C'est quoi? Parce que moi, de base, je suis pas un mec qui aime. J'aime pas les boîtes de nuit. Je dis la vérité, je suis pas un mec qui sort. Ouais, t'as capté? Mais ça, c'est parlé. Mais là, ma mère, tu vois. Ah, mais en fait, même j'allais là-bas. En fait, Gazo, ouais. En fait, Gazo, c'est un mec sain, frère. Non, mais je te dis, non, mais pour de vrai. C'est un mec droit, je suis en train de. Mais il me dit pas de boîte de nuit. Non, mais je te dis. Pas de meuf, pas de plus d'alcool. Par respect, il est rentré dans la braque, il a posé son tarpé. C'est quoi? C'est jamais. Non, laisse ça la famille. C'est trop. Tout dans le respect. Il y a des gens qui ne croient pas dans le chat. Hein. Hey, je vous jure, la famille. Là, ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, approfondissez, vous allez voir. Ah, mais les gens, ils disent, mais dans tes sons, tu dis que t'as fait... Mais dans le passé, il a arrêté maintenant. Ah, dans le passé, je te mens pas. Hein. Ah oui. Après, oublie pas que j'ai 28 ans. J'ai 28 ans cette année. Hein. Wesh. Ça veut dire que t'as capté, on dirait. Ah, mais t'as capté ou pas? En fait, on a le même âge. T'as capté ou pas? En mode 9-4. C'est pour ça qu'il y a trop de similarités. J'ai capté. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Franchement, non, abuse pas. Pas de l'alcool. Le matin, tu t'es réveillé? Je vais pas te mentir, en fait, il y a une période où on était dans ça. Il y a une période quand on était dans l'alcool, on était dans l'alcool pour de vrai. Genre, qu'on se réveillait, bol de Kellogg's, alcool. Pas carrément. Tellement on était dans ça, c'était un truc que j'imaginais. Tellement tu buvais. Tellement t'as bu, t'as vu ce moment? En fait, c'est pas que j'ai vu ce moment. J'imaginais ce moment. Comme je rappelais déjà, je pensais même à le faire dans des peclis. Je veux dire ou pas? En mode genre comment ça s'appelle? Tu vois, voilà, bah, t'as un bon. Tu te rappelles ton idée? Rappelle-toi, je t'avais dit ça déjà. Mais quand je te parle de ça, le Jack Miel, il venait juste sortir. Ah, c'est-à-dire en gros, c'est pendant les moments où tu buvais, tu pensais déjà à tous les moments où t'allais faire des clips, où t'allais rapper, à ta carrière, etc. Ouais, avez-vous déjà avalé votre vomi? Ouais, tu m'as dit une dinguerie, là. Tu m'as dit une dinguerie, en plus, j'avais boire une gorgée, là. Ouais, et lui, c'est un fumier, ce mec. Ouais. Oh, c'est pas moi. Je sais pas dans ça. Mais je te l'ai dit, fais attention dans quoi tu t'embarques avec ces tests. Oh my goodness. Du coup, avez-vous déjà vomi dans... Ah, ça y est, dans un lieu public. Si. Ben, la première fois que j'ai bu, dans un parc, dans le 12e. Tu sais quoi, dans un parc? Ben, on buvait. On était en 6e, on se cachait pour boire. Attends, ça. Allez, gros. Attends. Mais tu tises depuis la 6e? Non, on tisait, tu connais, c'est des conneries. En 6e, moi, je joue à Dofus. Ouais, mais... Non, mais toi, tu joues à Dofus. Mais il y avait les connards, là, qui partaient au parc, là. Là, moi, j'étais avec eux. Là, ça, tu peux pas dire devant les gens, t'étais un ivrogne, il y a 6e, quand même. J'essayais. Et c'est là que j'ai découvert que ça m'allait pas. Tu vois, le temps que je découvre que l'alcool, c'est pas pour moi, allait bien que je passe par là. T'as l'abdou. Indiquez le nombre de drogues essayées. Capté. Gras. Gras. Mais 3. 3 en flip flap. Vas-y, on va pas. Vas-y, 3, mets 3. On va pas détailler non plus, on va pas faire la liste. Hein. Ouais. Si je vous dis, vous allez faire comme moi, après vous allez écrire les mêmes sons que moi. Allô, faire foutre. Je vous le dis pas. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Ouais, oh, mais je crois qu'on a répondu à ça. Non, c'était bourré, là, c'est défoncé. Ah, ouais, attends, c'est sûr ça. Ah ouais. Consommez-vous des. Mais attends, mais on va se faire soulever par les keufs dans 5 minutes, là. Non, mais les gars, c'est. On va mélanger ma vie du passé avec ma vie actuelle. Mais demain, je prends une perquise. Plus de 4 fois par semaine. Ouais. C'est 4 fois par jour, ça. Non. Okay. 4 fois des verres de jus d'ananas par jour. Ouais. J'ai capté. Avez-vous déjà. Non, c'est nous. Acheter de la drogue. Non. On me donne. Non, tu l'as trouvé par exemple. Voilà, tu l'as trouvé. On me donne, moi. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Jamais. Jamais. Avez-vous déjà été en bad trip? Ouais. Ok. Bad trip. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non, jamais. Jamais. Ah bon. On influence ceux que dans le la drogue, on va les rouler. Hein. Voilà. Là, on va tous vous rouler, là. Voilà. La drogue, là. Ça, c'est du message. Envoyez vos adresses, on arrive en personne. Voilà. On frappe tous. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre? Ah oh. Non, dégueulasse. Je pourrais pas faire une telle chose. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour abuser sexuellement et réussi? Damn. My goodness. On a frappé des gens pour ça, entre quatre murs. On frappait des personnes pour ça. Et non, damn. Je suis désolé, non, c'est désolé. Un test, frère. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ouais, le Gazo est un grand amoureux. C'est ça qu'il faut que vous sachiez, tu vois. Un bon petit rendez-vous galeux. Rendez-vous galeux. Rendez-vous non, galant. Là, il y a quelqu'un dans ta vie? Ouais, il y en a plein, hein, dans ma vie. Dans ma vie, tu vois, ma vie, elle est submergée. Avez-vous déjà embrassé, peloté quelqu'un? Ah, ça va loin. Peloté. Ça dépend qu'est-ce qu'ils appellent par peloté. Non, peloté, c'est genre tu la prends par l'épaule. Ah, tout ça, ouais, c'est capté. Ça, t'inquiète. Oui. Avez-vous déjà embrassé, peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ah, les coquins, ils veulent savoir mes techniques, j'ai capté. Je vous dirai pas mes techniques, hein. C'est personnel, ça. Bon, vas-y, on va répondre. Non, mais...
Après, tu peux dire oui, mais t'es pas obligé de... Attends, t'es pas obligé de donner les techniques. Ouais, tu as dit. T'es pas obligé de donner les techniques. On va dire ouais, mais je me donne pas mes techniques, moi. Vous êtes des fumiers, vous. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non. Non, t'as jamais eu. Jamais. Je connais. Que les préliminaires. Ah. Après. Genre, ils ont juste discuté de ça avant. Voilà, préliminaire, c'est genre, voilà. Ça parle de ça. T'as capté ou pas? Je connais. Après, dès que ça va jusqu'à l'acte, je me stoppe. No cap. Je dis, c'est bon, je me sens plus de trop près, quoi. Je capte. Et il me fait les adlibs, quand même. C'est comme ça. Fais les adlibs pendant que tu parles. Oh! Avez-vous déjà des... Qu'est-ce que je vois? Je vais même pas vous lire ça. Ça me fait mal au cœur de lire ça. Après, il y a des hommes, ils le font, tu sais, avec des vieilles. Oh putain. Ah non, mais je crois que c'est toi qui... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Ah non, genre, c'est toi qui as payé. Oh, franchement, non. Avez-vous déjà été impliqué dans une... Alors déjà, la question, ce qu'on avait fait avec Yvick, avec Mister V, la question est trop bizarre. C'est une question impliquée, genre... déjà, comment aller tourner en mode... Ah, je t'avoue, je vais dire non. Tu connais, le mot, il est bizarre, en fait. Comme il a dit, en fait, il a raison. C'est genre, à la base, c'était pas prévu. Ouais, j'ai capté, Non, lèche. Non, lèche. Don't play, photo. Non. Avez-vous déjà eu un rapport anal? My godness. Avec TF1? Avec TF1? Non, mais là, frérot, regarde la question, frère. Mais ça, je te dis. Eh, ton gars, il a dit non, mais non. Avec TF1 et BFM. Tu vois, avec TF1, avec BFM. Non, après, t'es resté dans les annales, t'as marqué l'histoire. Tu vois, ça, c'est vrai. Les annales de BFM. T'as capté ou pas? C'est le seul anal que j'ai connu. Ok, bah, si tu veux mettre oui pour ça, tu peux. On peut dire ouais, pour BFM, la famille. Eh, BFM, mais boycottez pas, on rigole. Jusqu'à l'orgasme! Est-ce que t'as poussé BFM alors? Oh my godness. Non, je pense qu'ils m'ont pas riposte, ils m'ont pas repartagé. Je pense qu'ils ont pas kiffé. en fait. Mais si BFM, il t'invite pour une interview, t'acceptes? Interview de BFM? Ouais. Franchement, je vais dire non, je crois. Trop de pression. Ah, mais... Non, il a dit. Ouais, ils sont pas trop chauds. Eux. Non, je leur dis non. Vas-y, ok. Avez-vous déjà fait un 6-9? Oh my godness. Amodé. Non, mais... Non, mais est-ce que t'as déjà fait un concert à Lyon? Oui. C'est ça, c'est 6-9. Est-ce que t'as déjà fait un concert à Lyon? Bah oui. Allez, grave. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Damn! Tu connais? Nous, on aime bien les poussées clean. T'as capté ou pas? Poussées Kleenex. On va t'appeler Kleenex. T'as capté ou pas? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des enfants dans la... No cap! T'as capté ou pas? En mode no cap! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des personnes en même temps? Ouais, est-ce que t'as déjà fait un fight? Yes, sir! Tu connais, il a répondu. Oh, mais c'est pas normal qu'ils soient... C'est ceux qui répondent. Pro, ils sont au courant. T'as capté? Parce que ils me connaissent depuis baby. Et moi déjà une relation sexuelle et puis des deux personnes de la même semaine. Oh, le back to back. Ouais, mais ça fait longtemps. À l'ancienne. Ah, c'est du playoff. Bon, on va dire oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans le public? Non, mais dis pas oui. Là, dis la vérité. Mais non. À l'ancienne, à l'époque. Là, débat, wesh. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement? Oh putain, ouais, c'est vrai. Ah, ça m'a fait une tinguerie de ouf un jour. Voilà, elle m'a râpé le gland sur le carreau de la bête. J'étais comme un ouf. Ah ouais, c'est détaillé quand même. Ouais, un truc de ouf. Voilà. Ah ouais. Je trouvais même plus cassable après. Pendant combien de temps? Plus jamais. Je crois. Ah non, ouais, je crois que en plus t'as tout blessé. Bien cicatrisé le bail. C'est trop fragile. Ça laisse tomber. Non, en fait, c'est quand il veut trop faire, trop bien faire. Mais des fois, c'est pas bien de trop bien faire. déjà eu des rapports homosexuels au contraire de votre appartenance sexuelle. Désolé, mais je suis encore trop attiré par les... T'as capté? Les femelles, il y a des Nicki Minaj, des Ice Spice que j'ai pas encore attrapé, t'as capté? Il y a trop de... d'emblée. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Ma main, d'emblée. Juste le mot, il te fait mal, t'as capté ou pas? Malo. Pour la concubine, tu veux dire? Ou pour soi-même? Là, je pense qu'il parle pour toi, là. Ah, les bâtards. Vous voulez me tuer. Oh, tu peux arriver aussi. Regarde, tu l'envoies sur sextoy. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité
Quelqu'un, si oui, de combien de personnes? Non, jamais. Ah bon, moi, je suis pas dans ça. Bah oui, t'es pas dans ça. T'as capté? Déjà, mon truc, il est long déjà. C'est-à-dire, si je commence à taper dans des trucs jeuvières, t'inquiète, je suis pas sorti de l'auberge, poteau. T'as capté ou pas? En gros, c'est déjà trop, t'as déjà un casier assez long pour ça. Voilà, t'as capté ou pas? Ok, ok. Le casier est trop géchard. Je mets zéro, j'ai plus envie de voir cette question. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Incroyable. Qu'est-ce qu'ils osent? Et puis toi, tu me dis. Ah non, mais. Mon fumier que... Non, mais. Attends, on peut t'accrocher pour ça. Lui, on peut l'accrocher pour ça. Mais non, mais j'ai flippé. Non, incroyable. Il a dit incroyable. Ah, putain. J'ai dit quoi? C'est incroyable, qu'est-ce qu'il peut me dire? Non, wow, c'est incroyable. Damn, bro. Non, mais s'en fout. Avez-vous en mode nos limites ici. Non, mais dis non, après tu dis incroyable. Non, c'est je suis obligé de. Ah, ok, moi, ok. Les expressions, ils sont rabants, moi. Direct les adjectifs. Oui, voilà, je suis trop expressif en fait. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Ah non, c'est vrai que t'as répondu spontanément. Qui avait l'application là? Frérot, oui, c'est un mec qui s'appelle Griffor. Gryffondor là. Toi là, nom de Dieu, toi là. Si tu es pas. Attention toi. Pas de pister toi. Pas de griffer toi. Avez-vous déjà été un coup d'un soir? On est dans les deux sens, hein. Bah oui. Je pense qu'elles sont servies de nous comme on s'est servi d'eux. Combien de fois? Toute ma vie, hein. Bon, bah plus de 10. Plus de 10. Avez-vous déjà été un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Un romantique. Un romantique. En fait, malheureusement, je pense que ça a dû arriver. Hein. Je connais parce qu'il y a toujours des fois qu'on oublie. Et moi, de dire au revoir. J'oublie. Quoi? Je connais des fois le timing, tout ça. T'arrives, t'es encore chez Watt, le bord, il dort. Bon. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? De quoi? Moi, je t'avoue, je suis un bâtard, mais pas à ce point-là. T'as capté? Laisse ta famille. Il y a trop de meufs. Des jumelles. Des jumelles, je t'avoue, on s'entend, mais je t'avoue, c'est pas arrivé. Non. C'est pas arrivé dans ma vie. Lui, là, il est fou, attention. Lui, c'est un Brésilien. T'as fait ça avec des jumelles? T'as tapé, tu connais. Pas la même vie là, je me rends compte. Non, c'est toi, tu te limites. Mais non, frérot. Non, moi. Laisse-toi faire, allez, laisse couler. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui a déjà été engagé dans une relation avec. Ah, c'est trop compliqué là. Ah, en gros, est-ce que quelqu'un a déjà trompé la personne avec toi? Peut-être qu'elle m'a pas dit. Hein. Mais toi, est-ce que t'étais au courant? Non, moi, j'aime pas être comme ça. Ok, bah, t'es un bon gars, t'es droit. Non, j'aime pas, parce que j'aimerais pas que ça m'arrive. Regardez. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Oh non. Ça là, je ne fais pas ça, moi. Ils le savent, Gazo le savent, ils confirmeront. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? On parle bien d'une meuf, là. Ouais, sexe opposé. Ouais, non, parce que tu connais. Il y a tellement de techniques là-dedans, là. T'as capté ou pas que. Bah, tu connais. Qui s'est jamais déjà avec une meuf, wesh? Quand même, wesh. On se douche tous avec des meufs, les refs. T'as pas personne qui se douche avec sa meuf, là. Tu connais, petite douche, caresse, dernier, don't play. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? C'est incroyable. Non, je suis pas dans. T'as capté? C'est moi, on me lèche, mais pas là-bas. Pas ces trois endroits. Vous êtes vous déjà. Eh, vas-y, vas-y. Ah, ça y est. Bâtard, hein. Ça y est, frère. Oh, les bâtards. Mais non, ça y est, frère. Ils abusent de chat, hein. Ah, ça y est. Non, on va les baiser, les griffons. C'est quoi ça? C'est bon à un moment donné. En fait, c'est une appli de keuf, j'ai capté, moi. C'est une appli de keuf, c'est une appli qui veut juste te mettre dans la merde. Ouais, ta mentale, en fait. Ils veulent voir ta mentale. Si t'es un peu trop con, là, ils qui chez what. À un moment donné, t'as une intimité aussi. Ouais, c'est vrai. Faut pas que t'en dises trop. C'est-à-dire, là, demain, il y a quelqu'un qui. Une femme qui veut te parler avec toi, va tout savoir. Non. Là, tu parles avec Bramsou. T'as capté ou pas? Gazo, il est qu'entre 4 pièces et au studio. Gazo, il est à l'entrée là. T'as capté ou pas? Là, il y a Bramsou qui est rentré chez moi. Là, il a capté. Il est trop joyeux, Bramsou. Bramsou rigole avec tout le monde. T'as capté? Gazo rigole pas, wesh. Quand t'es en mode Gazo, t'es en mode. Je connais, Gazo rigole pas, wesh. Laissez là où il est. T'as capté ou pas? T'es sombre quand t'es en mode. Non, c'est pas moi, wesh. Bramsou, c'est un bouffon, wesh. Ah, Bramsou, il rigole gars. Avec tout le monde. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, avec moi, t'es Bramsou ou t'es Gazo? Ouais, c'est Bramsou, wesh. C'est-à-dire, je peux t'appeler Bramsou. Mais Gazo, il t'aime bien aussi. Non, moi, j'aime pas Gazo, je préfère que Bramsou. T'as raison, t'as un bon. Je préfère Bramsou. C'est un bâtard et Bramsou. T'as capté ou pas? Apparemment, je crois, t'as un rendez-vous, frérot, je crois que tu dois. Non, il ment. Ok. Non, mais frérot, voilà, ça m'a trop fait plaisir que tu viennes passer comme ça. Plaisir, hey, les gars, mais dites tous merci à Gazo d'être passé, c'est un bon de. Don't play, mi ma main. Les gars, vraiment des cœurs pour Gazo, c'est un bon de malade. La famille. Hey, la famille. No cap. Oh, baisse les gambas. Je joue pas pour toi. Non. Tu crois que t'es en train de taper? Mais non. Non les gars. Baisse les gambas. Non, je joue pas. Je me crée sa beauté. Je vais maintenant pas la beuteux. C'est qu'on fait au chaud ça, ma famille. Je leur dis un peu au revoir, laissez-moi le temps, parce que là ils sont chez moi. J'arrive tout de suite.
Je vous promets que j'étais pas au courant, ils m'ont fait une surprise. En gros, Gazo, je lui avais dit passe à la maison pour un stream. Et ils m'ont fait une surprise, ils sont passés pendant le stream pour de vrai. Je suis choqué. Là-bas, c'était un stream tribunal, c'est parti en couille. Ça devient n'importe quoi chez moi, c'est un moulin. Qu'est-ce que. Je vais devoir changer la serrure, je vais devoir faire quelque chose là. Ils étaient combien? Ils étaient 6 ou 7. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. C'était nimp. Bisous les refs, prenez soin de vous.